Avant de commencer, je tiens à remercier le président du mémorial Charles de Gaulle, M. Lacroix, son directeur général délégué, M. Dumont, ainsi que mes camarades compagnons de toute l'équipe du mémorial, Irène, Philippe, Thomas, Marc notamment. Ils ont rendu possible ce 10e forum Histoire et médias dans un contexte sanitaire troublé. Mes remerciements s'adressent également à M. Guérin, délégué académique à l'enseignement artistique et à l'action culturelle, aux inspecteurs d'histoire-géographie, messieurs Mabil et Lannemi, qui soutiennent le service éducatif du mémorial. Merci également à mon collègue Alexandre, qui a validé les connexions des lycéens qui ont dû se connecter depuis leur domicile, puisque l'établissement dans lequel ils suivent l'enseignement pratique l'enseignement hybride. Un grand merci surtout à monsieur Pascal Manoukian, qui se trouve à mes côtés. Donc, je vous rappelle bien entendu l'importance de maintenir coupée votre caméra et votre micro pour nous libérer de la bande passante pendant la conférence. Alors, pour commencer, s'informer pour comprendre le monde aujourd'hui, voilà le thème 2021 de la semaine de la presse et des médias à l'école. À mes côtés, un acteur de l'information, une personnalité au chemin de vie original qui va vous faire partager son vécu de journaliste en lien avec notre thème. Mais si l'on connaît le journaliste, on connaît moins l'aventurier. Commençons donc par une première photo personnelle de Monsieur Manoukian. Oui, bonjour à tous. J'aurais préféré être en présentiel, hein, c'était prévu. C'est pas pour cette fois-ci, peut-être ce sera pour une autre fois. Alors, en fait, prendre sur cette photo, c'est une photo qui date de ma vie d'avant le journalisme. J'ai 21 ans. C'est un campement qui se situe au milieu d'un fleuve, quelque part en Amazonie. À l'époque, avec deux amis, nous avions des rêves d'aventure. Et on avait surtout l'intuition que le monde risquait de changer. Alors, on n'imaginait pas, bien sûr, à quel point il allait être bouleversé par la technologie, mais nous avions le rêve de réaliser une expédition à l'ancienne. Et donc, on a mis un an à convaincre pas mal d'entreprises de financer notre projet, et puis on est parti au sud de l'Amazonie colombienne, essayer d'établir un premier contact avec une tribu d'Indiens non contactés, donc des Indiens isolés. C'était en 1976, le monde n'était pas encore connecté, et il était facile de s'y perdre. Voilà, donc nous avons passé 6 mois en forêt, au sud de la Colombie, en survie totale, en GPS donc, ça semble un monde très très lointain, sans téléphone portable, à vivre uniquement de la forêt, et à ne compter que sur nous trois, puisque nous y avons trois en exposition, trois jeunes de 20 ans. Et puis en matin, au bout de 6 mois, 5 mois et demi, nous sommes entrés en contact avec une tribu d'Indiens nomades qui s'appelle les Indiens Manouré. Et donc, finalement, nous avons fait un bond de 10 000 ans en arrière. C'était des Indiens nomades, donc, et qui ne connaissaient du monde que le petit territoire dans lequel ils nomadisaient et vivaient de chasse et de cueillette. Alors, bien évidemment, à 20 ans, 21 ans, ça a été pour moi une expérience ordinaire. Depuis ma fin de vie de journaliste, je suis devenu romancier et dans mon dernier roman, je me suis inspiré de cette expérience que j'avais vécue à 20 ans pour raconter une histoire qui se passe en Amazonie. Alors, un journaliste, c'est un pilier de notre information. C'est celui en qui le citoyen met sa confiance pour savoir ce qu'il se passe là où les conflits rendent la situation dangereuse. Pascal Manoukian fut un journaliste reporter de guerre. Alors, avant de vous expliquer, en fin de compte, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, j'ai pensé que peut-être il fallait montrer d'abord ce qui m'avait poussé à l'arrêter, ou plus exactement ce qui m'avait poussé à arrêter le terrain après avoir eu la plupart des fonds entre 1975 et 1995. En fait, c'est un reportage que j'étais parti faire à Sarajevo en 1993. Alors, un an avant, pour faire court, la Bosnie-Herzégovine, qui était une
province de la Yougoslavie a profité de la chute du mur de Berlin et de la fin de l'URSS, ça doit vous parler sans doute, pour déclarer son indépendance. Et les Serbes de Yougoslavie s'y sont opposés et ont assiégé Sarajevo, la capitale bosniaque. Et en 1993, le siège dure depuis un an et je pars dans Sarajevo assiégé, essayer de raconter la vie d'un jeune garçon de votre âge, ou pratiquement de votre âge, puisqu'il s'appelait Sead et qu'il avait 16 ans. Alors pourquoi vous montrer ce film? Parce que je crois qu'il raconte deux choses importantes. La première, c'est que l'information, et ça il faut bien le comprendre, est une matière vivante, et que derrière chaque information qui vous est ramenée par les journalistes, se joue le destin d'hommes, de femmes et d'enfants qui vous ressemblent tous. Et qu'un jour, nous tous, vous, moi, tous les gens qui m'entourent, nous pouvons nous aussi nous retrouver en plein milieu d'une actualité dramatique. Je vous parle de Colombey, les deux églises, dans un endroit qui nous rappelle qu'il y a 75 ans, un peu plus de 75 ans, une grande partie de la France ressemblait encore à Alep et à Mossoul d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est que ce film raconte que dans les moments difficiles, et je sais que votre génération en vient aujourd'hui, il faut toujours essayer de relativiser ces problèmes. Alors je sais que ce n'est pas facile pour des gens de votre âge d'être privés d'une partie de votre liberté aujourd'hui, mais dans notre malheur, et c'est ce que m'a appris ce métier, nous restons quand même des privilégiés. Bien sûr, nous n'avons plus toutes nos libertés à cause du Covid, mais combien de Syriens, d'Afghans, de Somaliens aimeraient qu'on les prive un peu des leurs pour être aussi bien protégés que nous. Et c'est la grande leçon que m'a appris ce métier, c'est à pratiquement tout relativiser dans ma vie. Je vais vous laisser 15 minutes, alors la qualité de l'image ne sera pas superbe, mais en tous les cas, c'est ce que vont dire les jeunes de votre âge dans ce film que je voulais que vous entendiez. Je vous laisse donc avec Sead, le reportage dure 14 minutes. Nous sommes dans Sarajevo assiégé un matin de janvier 1993. Sead a 16 ans. Il est musulman. Il vit à Sarajevo avec sa mère, sa sœur et son père, chez un oncle commandant dans la toute nouvelle armée bosniaque. J'ai de la chance. J'ai pas besoin d'aller chercher d'eau ce matin. Aujourd'hui, il y en a et c'est rare. Sead s'est engagé dans l'armée dès le début de la guerre, il y a 10 mois. C'est quoi ça, un uniforme? Oui, c'est ça. Tu es soldat? Soldat. Soldat ou messager. Comme vous voulez. Ça vous fait peur, cette situation? Ça vous fait peur de voir des jeunes comme Sead dans la rue? Vous savez, on ne sait jamais ce qui va arriver ici. C'est très dur. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il est possible à tout moment de perdre sa tête. À chaque instant. C'est une attente interminable au téléphone quand Sead est dans la rue. Mais c'est sa mission. C'est son travail. Il y a un an, Sarajevo est devenue la capitale d'une ancienne province de l'ex-Yougoslavie devenue indépendante, la Bosnie-Herzégovine. Un État que la Serbie, république voisine et nostalgique de l'ancien ordre yougoslave, refuse de reconnaître.
30% des habitants de Sarajevo sont musulmans comme Sead. Les autres sont serbes ou croates. La guerre a déjà fait plus de 9000 morts. Dans cette ville en guerre, la vie n'a aucune valeur, aucune importance. On peut mourir à chaque instant. On ne sait jamais si on va retrouver son appartement intact en rentrant. C'est ça, la vie à Sarajevo. Mais chaque famille espère que ça ne lui arrivera pas à elle. Toi, ma poupée, tu sais ce que c'est d'attendre. Hein? Tu sais ce que c'est de rester tout seul dans l'appartement. Bravo. En 10 mois, Sarajevo a pris des allures de Beyrouth. Pas un quartier n'a été épargné par l'artillerie serbe. Aucune rue n'est à l'abri des snipers, ces francs-tireurs qui abattent au gré des ordres les rares civils qui s'aventurent encore dans les rues. Malgré ses 16 ans, Sead est un combattant de la première heure. Formé militairement juste avant l'indépendance par une organisation clandestine, les Jeunesses Patriotiques, il a combattu 2 mois sur le front. Retiré des premières lignes à cause de son âge, il est aujourd'hui messager dans la brigade de son oncle, le commandant Slatko. Où est le commandant de la section ? Il est en bas. Commandant, est-ce qu'on peut envoyer un messager au journal ? Et l'autre messager n'est pas là ? Et Branko ? Où est Branko ? J'ai besoin de lui. Branko ! Chef, je viens chercher le courrier pour le bataillon. Qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Les messages 4, 5, 6. Le 4, le 5 et le 6, ok. Attention, ils ne sont pas encore enregistrés. Ok. Toute la journée, Sead va défier les francs-tireurs serbes pour porter de poste en poste des ordres de son quartier général. Avant la guerre, Sead habitait une cité HLM, aujourd'hui enclavée en pleine zone serbe. Régulièrement, avant de porter ses messages, il vient y revoir des amis. Pourquoi il faut courir là ? On doit courir à cause d'un sniper qui est caché dans les tours blanches, là-bas, près du centre commercial. C'est pour qu'il ne nous descende pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer ou blesser sur ce pont. Ça arrive presque tous les jours. Là, c'est bon, on est protégé par les containers, il ne peut pas nous voir. Ici, 100 mètres à peine séparent les Bosniaques des premières lignes serbes. Chaque rue, chaque immeuble, chaque fenêtre est dans la ligne de tir d'un sniper. Des tueurs professionnels, armés de fusils à lunettes, capables de viser une tête à 500 mètres. C'est une connerie cette guerre. On n'aurait jamais imaginé ça avant. On ne pensait qu'à s'amuser. Maintenant tout a changé, on est devenu plus vieux que notre âge. On est plus sérieux. On n'a plus rien d'enfantin. Maintenant nous sommes tous des vieillards, des adultes. Des adultes qui portent des fusils.
Et qu'est-ce que vous pensez des adultes de ce pays? Les adultes, ce sont eux qui ont tout manigancé. Et c'est nous qui subissons. Eux, ils ont vécu leur vie, ils ont la quarantaine, la cinquantaine, et ils s'en foutent de mourir. Ils ont vécu, et nous, on n'a même pas encore commencé à vivre. C'est difficile. Eux s'amusent dans les caves, encore un peu. Vous voyez, c'est un sniper. Voilà. Vous voyez comme c'est dangereux. On ne peut rester nulle part. Et c'est comme ça tous les jours? Tous les jours. Ça, c'est rien. Il y a des jours bien pires. Ça, c'est la seule discothèque qui marche encore en ville. Et vous y allez? Oui, tous les soirs. À quelle heure? Entre 5 et 9 heures. C'est à 50 mètres des lignes. À Sarajevo, chaque geste, chaque déplacement est un risque. Il faut courir pour ne pas mourir. Aménagée dans une cave, la seule discothèque du quartier. Elle permet encore aux jeunes d'oublier la guerre et de rêver le temps d'un tube. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez réussi à l'attraper pour lui couper les cheveux? T'as des balles pour qu'on s'amuse? Pas beaucoup, j'ai juste un chargeur de 9 mm. On pourrait en tirer quelques-unes, ou essayer d'avoir le sniper, peut-être qu'on l'aura. Peut-être, on peut toujours essayer. L'avoir ou pas, c'est ça la question. Sead a quitté son ancien appartement il y a un mois, après qu'une grenade ait atteint la salle à manger. Régulièrement, il vient vérifier qu'on ne lui a rien volé. Ça, c'est ma chambre. C'est ici que je dormais avant la guerre. Mais depuis le début des combats, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup de tireurs embusqués. Vous voyez, il y a beaucoup d'impact. En Europe, il y a beaucoup d'enfants qui ne pourraient pas vivre dans des conditions pareilles. C'est impossible de risquer sa vie tous les jours, d'être sans arrêt si près de la mort. Ici, un enfant de 5 ans, en l'espace de 2 mois, bah, il a l'impression d'en avoir 30. Je ne crois pas que je sortirai de là tout à fait normal, que je mènerai plus tard une vie normale comme avant la guerre. Je ferai de mon mieux pour que tout soit comme avant, pour devenir un enfant comme les autres. Mais cette guerre a trop changé ma vie et celle des autres. Parfois, j'ai l'impression que je n'aurai pas assez de force pour tenir le coup. Mais je dois tenir comme tous les autres. Si je n'ai plus la force de tenir, je perds tout. Je perds ma vie. La seule chose qui me maintient en vie, c'est ma volonté de vivre et le désir de vengeance. À Sarajevo, se porter au secours d'un blessé est un acte de folie. La tactique des snipers est toujours la même, faire une première victime, attendre l'affolement des secours, puis tuer à nouveau au hasard. Sead le sait, pourtant il va traverser cette rue.
Vidi da ga nije još negdje pogodio. Ajde bro, diži ga, jebi ono. E, pa da se ne uguši jezik, je, jezik mu uzmi se. Ajde, poti, čekaj, čekaj. Ajde, poti, sunije strani, tamo. Ajde ti, proći sunije strani, ne mogu ja. Ajde, poti, sunije strani, ajde. Če, drž ga, bro, paš. E, jesu vidio ti, ajde. Hare, ovo? Ha? Jesu vidio? Jesam, pa evo, bio tu. Vine ga, pa. Uga, pogodio. Jesi pogođen, jel? Jel' bilo? Samo da gradi! Odakle gađa, jebim. Ej, samo zagradi nas, gađa nas! Sad? You have problem? Jebim, nije znam. Sad? Jebo, ti dođi vam. Sagni se, Manda, sagni se, skroz. Skroz desi dole. Pa jebim u majku, pa kako dozvoliše da dođe taj snajperista ovdje? Samedi 13 février, 14h30. Sead, 16 ans, est tué par un sniper. Plus de 600 enfants ont été assassinés comme lui depuis le début du siège de Sarajevo. Donc voilà à quoi ressemblait un confinement à Sarajevo en 95, et voilà à quoi ressemble toujours le confinement à Alep depuis 10 ans. Alors après ces dernières images, après la mort de Sead, j'ai posé ma caméra pour lui porter secours, parce qu'il a reçu deux autres balles avant de mourir. Nous sommes restés à trois autour de la voiture, et le sniper a eu le temps de faire encore deux morts. Et j'ai été le seul survivant. Et pour le coup, j'ai ensuite posé ma caméra définitivement. Voilà la raison d'être de ce métier. Elle est aussi simple que ça, c'est de s'approcher au plus près de la réalité pour mieux vous la faire comprendre à vous et aux gens qui cherchent à s'informer. À ce jour-là, je m'en suis tellement approché que je me suis fait peur moi-même. Que donc j'ai décidé de mettre fin à, on va dire à mon activité sur le terrain. Mais pour revenir en arrière, donc avant cette journée à Sarajevo en 1993, on m'a longtemps demandé pourquoi finalement j'avais voulu faire ce métier et comment j'avais commencé. C'est avec le temps, il y a une dizaine d'années, que finalement j'ai commencé à comprendre pourquoi, et je crois qu'il y a trois éléments qui m'ont influencé. Le premier, j'avais 10 ans, mes parents étaient ouvriers, et ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et pourtant, un été, ils m'ont emmené devant cet escalier. C'est un escalier qui se trouve au cœur du camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. On va dire que c'est leur façon à eux de m'éduquer au monde. Je me souviens de 186 marches que l'on forçait les déportés à monter avec d'énormes blocs de pierre sur le dos. Notre guide était un ancien occupant du camp, un ancien déporté. Il avait choisi de rester sur place pour que personne n'oublie. Et il m'a expliqué que quand les hommes étaient épuisés, ils s'effondraient avec leurs charges qu'ils portaient donc sur le dos, des blocs de pierre qu'ils avaient découpés, et que leurs charges leur écrasaient la tête. C'était, disait cet homme, une façon de désengorger les chambres à gaz. Alors à l'époque, j'ai pas tout compris, mais j'ai réalisé que il se passait dans le monde des choses épouvantables et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Le deuxième souvenir, j'avais 14 ans, je crois, et j'habitais donc cette grande cité ouvrière. Je n'étais pas très très bon à l'école. Je ne voyais pas sincèrement l'intérêt d'apprendre. La seule chose qui me passionnait, c'était l'histoire.
parce que j'avais la chance d'avoir un professeur d'histoire qui la rendait vivante, et il me la racontait comme un reportage. Donc du coup, j'avais vraiment l'impression d'y être, mais ça ne me passionnait pas au point de faire des efforts dans les autres matières. Et c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait un autre monde que celui dans lequel je m'ennuyais en fin de compte, et que les clés de ce monde, où j'avais peut-être une chance de faire des choses qui allaient m'intéresser toute ma vie, c'était l'éducation, et que ça passait par là. Et il avait raison, et tout ce qui m'a semblé contraignant sur le moment est en fait ensuite tout ce qui m'a permis de me réaliser. Et le troisième moment, le plus important, bon, qui m'a inspiré ce métier, c'est à 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de cette femme qu'on voit au milieu de la photo et qui a été prise dans un orphelinat à Alep. Alors, on est en 1923, elle a 13 ans, et c'est une rescapée du premier génocide du XXe siècle, celui des Arméniens. Alors, tous les points rouges que vous allez voir sur la carte qui arrive sont des centres de tri en Turquie où vivaient les Arméniens, où une fois le génocide décidé, on les a séparés de leur famille. On a trié les hommes, les femmes et les enfants. Et les points noirs que vous voyez en bas et un peu au milieu, ce sont les centres d'extermination. Finalement, entre 1915 et 1918, plus d'un million et demi d'Arméniens vont disparaître dans ce qu'on a appelé donc le premier génocide du XXe siècle. Et à l'âge de 6 ans, la jeune fille de la photo de l'orphelinat a été, elle, déportée sur plus de 600 kilomètres par les Turcs, d'Erzurum exactement, sur la carte que vous allez voir, jusqu'à Azaki. Voilà, donc du nord au sud, jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Syrie, avec des villes tristement célèbres comme Deir ez-Zor ou aussi Daesh. Et la nuit, donc, quand les convois s'arrêtaient, elle se couvrait le corps de crottin de cheval pour ne pas être violée, parce que c'était le sort de beaucoup de jeunes filles dans les convois. Et puis, de temps en temps, les gendarmes turcs vendaient quelques enfants. Et c'est sa chance, elle a été achetée par une famille de riches arabes. Et en fin de compte, c'est l'esclavage qui lui a rendu sa liberté. C'est ce qui l'a sauvée. Tout le reste de sa famille a été exterminé. Sa maîtresse l'a amenée dans le désert où elle a servi comme esclave pendant 5 ans. Et puis, un jour, une association humanitaire américaine, 5 ans après, a cherché les orphelins arméniens dans le désert et les ont rachetés. Et ils ont racheté cette jeune femme. Et il en est dans un orphelinat en Syrie où on regroupait tous les rescapés du génocide. Et de là, ces recruteurs français ou européens qui cherchaient de la main-d'œuvre pour leurs usines venaient chercher des orphelines comme ouvrières. Et cette jeune fille a été embauchée dans une usine près de Lyon. Voilà, cette jeune fille, c'est Araxi, ma grand-mère. Et c'est grâce à elle, en fin de compte, que je suis né français. Et 40 ans après, elle pleurait toujours parce que les Turcs continuaient à nier le drame qui lui était arrivé, à nier le génocide. Et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi. Et moi, petit à petit, j'ai compris. Parce qu'en 1915, en fin de compte, il n'existait que très peu de moyens d'information. Et qu'il y a quelques photos à peine et quelques minutes de films pour témoigner du martyr des Arméniens. Et c'est là qu'a germé l'idée en moi de faire ce métier, c'est-à-dire de parcourir les fronts pour documenter les drames de mon siècle et pour que plus aucun ne puisse être nié, comme celui de ma grand-mère continuait à l'être, puisqu'aujourd'hui, le génocide arménien, en tous les cas, n'est toujours pas reconnu par l'État turc, même s'il a été reconnu par beaucoup de nations du monde. Voilà, donc de retour d'Amazonie, après avoir traîné un peu en Amérique du Sud à faire différents métiers avec un ami qui lui aussi rêvait de devenir journaliste,
On s'est demandé comment on pouvait le devenir et puis on a décidé de prendre un raccourci en tentant directement notre chance sur le terrain. C'était un peu fou à l'époque, on avait 23 à 24 ans. Donc on a fait un truc très simple, on a ouvert un atlas et on a cherché un conflit qui était facile d'accès, difficile d'accès, pour éviter la concurrence, en se disant où est-ce que les gens hésiteraient à aller tellement c'est difficile. Et à l'époque, en 79, il existait dans les montagnes afghanes une rébellion qui s'organisait pour renverser un régime communiste à Kaboul. Alors c'était une guérilla locale, ça n'intéressait pas grand monde, c'était l'hiver, il fallait faire marcher 1000 km dans les montagnes. Et donc tout ça, c'était tant mieux pour nous. On empruntait chacun 500 euros à notre famille, et puis on a rejoint la frontière afghane. Et voilà comment je me suis retrouvé sur cette photo à 23 ans, sur un âne, sans expérience, dans un pays dont j'ignorais presque tout, entouré d'hommes qui ne connaissaient du monde que leur montagne, un peu comme mes Indiens d'Amazonie ne connaissaient que le territoire où ils nomadisaient. Voilà, et nous sommes restés à peu près plus d'un mois à vivre avec la résistance qui, à l'époque, dormait dehors, dans la neige. On a aussi pas mal voyagé avec des caravanes d'armes qui traversaient la frontière à dos de chameau, à des cols de 3000 mètres d'altitude, et qui traversaient, qui ramenaient des armes du Pakistan jusqu'en Afghanistan. Voilà, j'ai eu peur à 23 ans, à un moment, d'avoir fait un mauvais choix, parce que je me suis dit que cette rébellion, finalement, n'intéressait personne, d'autre que nous. J'ai eu peur d'avoir péché par orgueil, en voulant voir tout de suite trop grand. Je me suis dit peut-être que tu aurais dû faire une école de journaliste, peut-être que tu aurais dû patienter, peut-être que tu étais trop ambitieux. Et puis, le 27 décembre 1979, en fin de compte, l'histoire, toujours elle, nous a donné raison, puisque les Soviétiques envahissent l'Afghanistan et qui transforment ce petit conflit régional finalement en conflit majeur du XXe siècle. Voilà. Nous étions donc les seuls pratiquement et au bon endroit, au bon moment. C'est à peu près tout ce qu'on peut apprendre à un journaliste, en plus de la curiosité et de l'empathie. Tout le monde réclamait nos images, bien sûr, parce qu'avant, on avait fait le tour des journaux pour leur dire qu'on partait et ça n'intéressait personne. Mais quand ils ont su que les Russes envahissaient l'Afghanistan, ils sont tous mis à chercher le contact des deux jeunes fous furieux qui étaient passés les voir et qu'ils allaient renvoyer. Enfin bref, ma carrière de journaliste, finalement, a été lancée pour un coup assez facilement. Mes images ont été publiées dans Time, dans Newsweek. Enfin, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup ramé ensuite pour commencer. Après l'invasion, on est rentré au Pakistan pour envoyer ces photos qui ont fait un peu le tour du monde. Et puis ensuite, on a décidé de repasser la frontière clandestinement et on est reparti 5 mois à pied pour aller jusqu'au centre de l'Afghanistan, rencontrer d'autres chefs de guerre. Voilà, donc vous allez voir certaines photos. Et puis moi, j'ai continué ensuite à retourner en Afghanistan pratiquement 3 mois par an pendant 10 ans. C'est-à-dire que c'est un conduit, l'invasion soviétique, c'est un conflit que j'ai suivi pendant longtemps. Et j'ai gardé pour ce pays et son peuple un attachement tout particulier. Pour la photo, fini par devenir un peu avant. Voilà. Ensuite, entre deux séjours en Afghanistan, bien sûr, j'ai enchaîné sur d'autres conflits. Alors, peut-être qu'ils vous diront quelque chose. La guerre civile au Guatemala, d'abord. Ça, c'était l'époque où toute l'Amérique latine vivait sous dictature militaire, parce que les Américains étaient effrayés par la présence d'un régime communiste à Cuba et qu'ils préféraient soutenir des généraux qui leur étaient fidèles, quitte à ce que ils oppriment de Sud-Américains. Ça a été un conflit que je décris dans assez violent, que je décris dans Le diable au creux de la main, un livre où je raconte ma vie de journaliste. La guerre du Liban, bien entendu, qui dura 15 ans, où là j'ai dû apprendre une autre forme de guerre, c'est un autre métier, c'est la guerre en ville. C'est totalement différent de la guérilla dans les montagnes et il faut vraiment
apprendre vite parce que sinon on peut y perdre la vie. C'est une autre façon de faire son métier. Donc j'ai beaucoup appris au Liban et ça m'a servi ensuite à Sarajevo et ailleurs dans d'autres guerres qui se passaient à Mogadiscio par exemple. Voilà, ensuite j'ai couvert une autre forme de conflit, c'est la toute-puissance de la résistance passive. Alors ça se passait en Pologne en 1981, un mouvement, peut-être on avait pas entendu parler, qui s'appelait Solidarité et l'Église catholique ont fait de façon pacifiste et sans violence trembler le régime communiste polonais et puis tellement tremblé qu'ils ont participé à la chute du mur de Berlin quelques années plus tard, puisque c'était la première brèche dans ce mur, la première fois qu'un peuple de l'autre côté du rideau de fer se révoltait de façon pacifique en occupant des chantiers là-bas, en laissant les journalistes rentrer alors que le pays entier était normalement interdit à la presse. Donc on était chez l'habitant avec des scènes assez incroyables de résistance passive, par exemple quand le régime polonais a décidé de mettre un militaire pour présenter le journal de 20h. À 20h pile, vous passiez devant des tours entières et tout le monde avait retourné l'écran de sa télévision vers l'extérieur et envoyé des murs entiers de présentations privées. Où j'ai assisté à un concert d'un pianiste qui avait soutenu le régime. L'église était pleine. On était surpris parce qu'il était vraiment, il avait pris des positions pour Jaruzelski, pour celui qui avait fait un coup d'état militaire. Et les gens ont applaudi à tout rompre et n'ont jamais arrêté d'applaudir. Il n'a jamais pu, jouer. Ou alors un écrivain qui avait aussi pris parti pour le régime et sans se passant le mot, tous les gens sont allés jeter ses livres dans le même parc de Varsovie où il y avait des monceaux de ces livres qui s'accumulaient. Voilà la première guerre du Golfe aussi et ces centaines de milliers de réfugiés là, c'est au Kurdistan irakien. C'était une guerre importante professionnellement parce que c'est là où les forces de la coalition, donc qui sont intervenues en Irak, ont essayé de, pour la première fois, de contrôler le travail des journalistes. C'est-à-dire que ne pouvait partir sur ce conflit qu'un certain nombre de journalistes accrédités par les armées américaines. On a appelé ça être un des aides embarqués. Alors c'était présenté sous une forme un peu moderne, mais on va vous donner un visa qui va vous permettre de vous fuir de près, en fin de compte. Une façon de contrôler l'information. Ensuite aussi, la rébellion chez les Kurdes d'Iran contre la première république islamique instaurée par l'ayatollah Khomeini. Donc c'est sans doute là que débute l'islam intégriste qu'on connaît aujourd'hui et avec lequel on se débat. Et puis pour moi, c'est là aussi qu'est née ma grande passion pour le peuple kurde, dont j'ai suivi ensuite la lutte en Irak et en Turquie. Je ne peux pas non plus pas vous parler du reportage qui m'a le plus ému, je pense, dans toute ma vie de journaliste, le sauvetage des boat people en mer de Chine dans les années 80-84. Je vous dis sans doute le drame le plus émouvant de ma carrière de journaliste. À l'époque, des familles entières fuyaient le régime communiste vietnamien d'Hanoï sur de minuscules embarcations. Une sur deux coulait, une sur deux était arrêtée par les pirates, les hommes trucidés, les femmes violées, les enfants noyés. Beaucoup de ces enfants d'ailleurs étaient laissés seuls sur les bateaux par leurs parents qui espéraient une vie meilleure pour eux au point de les laisser partir à 2, 3, 4, 5 ans tout seul sur un bateau en sachant qu'il n'avait qu'une chance sur deux de survivre. Voilà, et c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que la France a accueilli 175 000 de ces boat people et qu'ils ont eu, dans leur malheur, donc, beaucoup plus de chance que les migrants d'aujourd'hui. Je pense qu'on a dû en accueillir peut-être 30 000, hein, tout et pour tout. Et maintenant, il se noie en Méditerranée, qui est devenu, je crois, un des plus grands cimetières d'Europe. Voilà. Je voulais aussi vous évoquer la renaissance du Cambodge. J'ai pu aller au Cambodge juste quelques années après la fin de cet autogénocide, donc un crime nouveau aussi, un autogénocide, un génocide que des Khmer, que des Cambodgiens ont appliqué sur d'autres Cambodgiens.
Enfin, il a été décidé par un homme qui s'appelle Pol Pot, dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui a terrorisé le pays de 75 à 79, qui a fait 2 millions de morts. Les survivants ont appelé ça, un survivant, enfin, un livre, il a appelé ça l'utopie meurtrière. Alors, pour la petite histoire, Pol Pot avait étudié en France, à la Cité universitaire internationale, et le projet qu'il a appliqué au Cambodge, qui a fait 2 millions de morts, il l'avait défendu dans une thèse qu'il a soutenue à Montpellier, pour lequel il a eu une bonne note. Voilà, il va aller dans ce qu'on a été. Personne n'a été aussi loin que lui. Il a décrété l'abolition de l'argent, il a décrété l'abolition de la famille. Les enfants devaient dénoncer leurs parents, l'abolition de l'économie. Le Cambodge ne devait vivre qu'avec l'autosuffisance. Et il allait trier les bons et les mauvais Cambodgiens avec des critères basiques. Tous ceux qui portaient des lunettes étaient des intellectuels, donc ils devaient condamner à retourner au champ. Tous ceux qui parlaient une langue étrangère, pareil. Tous ceux qui avaient les mains trop douces ne pouvaient pas être du peuple. Donc, ils devaient finir dans les champs. Et ce pays a fini en immense camp de rééducation. Voilà, il y a aujourd'hui un musée à Phnom Penh qui raconte ça et qui est vraiment très, très émouvant. Voilà, et puis, bien sûr, cette dernière journée de 1993 à Sarajevo, où j'ai survécu à la mort d'un adolescent de 16 ans, avec qui j'avais passé 3 jours et demi avant. Et donc là, j'ai décidé de poser définitivement mes sacs, voilà, pour un autre métier qui était de transmettre désormais aux jeunes journalistes ce qu'on ne peut pas apprendre dans les écoles de journalisme, c'est-à-dire le journalisme de conflit. Comment commence-t-on? Comment survit-on? Quelles sont les règles à respecter pour pouvoir faire ce métier et correctement et en survivant? C'est ce que j'ai fait au sein d'une agence qui s'appelle l'agence CAPA, dans laquelle j'ai été ensuite rédacteur en chef et puis directeur de la rédaction. Et puis les 3 dernières années, je dirigeais l'agence, et qui est une agence qui a formé énormément de journalistes et qui était un exemple pour plusieurs générations de reporters. Voilà, donc c'est un peu mon parcours. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, voilà, je voulais juste, avant de vous laisser poser vos questions, maintenant qu'on se connaît, peut-être que vous serez un peu plus sensible au message que je voudrais vous délivrer. C'est un métier qui est imparfait, sans doute, voilà, qui se caricature parfois lui-même, qui est de plus en plus contesté, notamment par votre génération, mais qui reste pourtant essentiel à la démocratie. Partout où il disparaît, et croyez-moi, j'ai pu le constater 1000 fois, disparaissent aussi avec lui les libertés. Et vous touchez aujourd'hui du doigt ce que c'est que d'être privé d'un peu de liberté. Voilà, je vous laisse imaginer ce que c'est de vivre dans un pays où elles ont toutes été supprimées et en général où les journalistes n'existent plus. Les dictateurs le savent bien d'ailleurs, parce que ce sont les journalistes et les avocats qui ils arrêtent ou qui tuent en premier dans les conflits. En moyenne, d'après Reporters sans frontières, une centaine de journalistes est assassinée chaque année depuis 10 ans. Alors, pas uniquement dans les zones de conflit, ça change aujourd'hui. De plus en plus dans les pays en paix. La corruption, par exemple, la corruption d'État ou le crime organisé, les mafias, sont des sujets qui deviennent aussi dangereux à couvrir que les conflits aujourd'hui. Donc, le métier devient de plus en plus compliqué. Dernièrement, au Mexique, par exemple, d'après Reporters sans frontières, un journaliste trop curieux qui enquêtait sur une corruption d'État a été décapité à Veracruz. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. En Inde, un journaliste a été aspergé de gel hydroalcoolique et vomitif pour avoir enquêté sur une administration locale. Et en Iran, pour vous citer ces 3 cas, le responsable d'une chaîne de télévision a été condamné à mort pour ne pas avoir suivi ce que le régime attendait de la chaîne de télévision. Il a été exécuté par pendaison. Voilà, les journalistes, quand ils font bien leur métier, sont des empêcheurs de spolier, de bâillonner, justement, et d'assassiner en paix. C'est la noblesse de notre métier. C'est que partout où l'arbitraire essaye de s'imposer, et quelle que soit la force des États, les moyens de répression mis en place, vous trouverez toujours quelque part dans le monde 3, 4, 10 journalistes prêts à faire leur sac et à prendre le risque d'aller témoigner. Et
les dictatures, les régimes autoritaires peuvent couper Internet, ils peuvent interdire tous les réseaux sociaux qu'ils veulent. Mais soyez certains qu'il restera toujours quelqu'un dans le monde pour prendre le risque d'aller témoigner, même s'il faut de plus en plus de courage à cette génération pour faire ce métier. Pourquoi ? Parce que la guerre a changé, les lignes de front se sont émiettées. Avant, il y avait des lignes de front un peu droites, on savait, on était dans un camp, dans un autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les journalistes ont affaire à une multitude de mini-groupes et qui sont prêts à tout pour faire parler d'eux. Et la victoire militaire n'est plus l'essentiel. Donc il faut, quand on est journaliste, être extrêmement prudent parce qu'aujourd'hui, l'enlèvement et l'exécution d'un étranger vaut souvent mieux qu'une victoire militaire. Parce que c'est beaucoup plus efficace pour faire parler de soi et pour ramener des volontaires. On l'a vu avec Daesh. Voilà, les journalistes sont devenus des cibles. La mise en scène de leur exécution est moins chère et plus efficace que d'aller se battre sur le front et de reprendre une ville. Mais le journalisme aussi a changé. On n'attend plus des journalistes la même chose. Le monde est ultra connecté aujourd'hui. L'information se doit d'être instantanée. À la fois, chacun le condamne, mais tout le monde l'exige. On est tous en train de dire qu'il faut se donner le temps, on peut tout savoir tout de suite. Voilà, donc ça, c'est pas facile pour les journalistes parce que ça peut les pousser à l'erreur. Voilà, ils ont moins en moins de temps pour prendre du recul sur ce qu'ils ont vu. Parce que chaîne d'information continue, site internet, connexion, quel que soit l'endroit où on est, à Alep ou à Fukushima pendant la catastrophe, il faut tout de suite avoir un point de vue immédiat sur ce qu'on a vu. Or, souvent, il faut le temps de la réflexion pour essayer de comprendre ce qu'on a vu sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, il faut tout commenter en direct et en continu. Mais encore une fois, c'est un métier essentiel à la démocratie. Et j'espère, voilà, peut-être avoir donné à quelques-uns d'entre vous l'idée, au moins, de s'y intéresser. Ou de le voir autrement. Merci beaucoup, M. Manoukian, pour cette intervention qui, je l'espère, a marqué les futurs citoyens qui vous ont consciencieusement écouté, je n'en doute pas. Les professeurs peuvent ouvrir les webcams des 5 établissements et ensuite, je vais donner successivement la parole à chaque établissement qui pourra poser 5 questions maximum à Pascal Manoukian qui répondra. Puis, la parole reviendra pour un nouveau tour et ainsi de suite. Si jamais un lycéen ou une lycéenne qui s'est connecté depuis son domicile souhaite poser une question, il peut la formuler à l'écrit par le chat et ensuite mon collègue Alexandre pourra éventuellement nous donner les intentions et ensuite nous pourrons poser la question donc à Monsieur Manoukian. Alors, le tour est organisé de manière à ce que les collégiens passent en premier, puis ensuite les 3 établissements, les 3 lycées. Donc, dans l'ordre, le Collège Les Indes, ensuite le Collège de Colombelles-les-Deux-Églises, ensuite le lycée Bouchardon de Chaumont, ensuite le lycée Philippe Lebon de Joinville et enfin le lycée François Ier de Vitry-François. Donc, je pense que tout le monde a compris le principe. Vous avez le droit de poser 5 questions maximum, de faire intervenir donc 5 élèves. Et nous allons donc commencer par le Collège Les Indes. Donc, est-ce qu'on peut… J'essaie d'afficher toutes les caméras. Voilà. Donc, le Collège Les Indes, le lycée François Ier… peuvent activer, voilà, parfait. François Ier peut aussi activer sa caméra. Alors, est-ce que le lycée François Ier peut activer sa caméra? Je ne sais qui est...
en ligne du côté du lycée François 1er, peut-être Franck ou Hervé. Alors, ça marche ? Est-ce que tout le monde nous entend ? Est-ce que vous nous entendez ? Oui. Ah bah très bien. Qui vient poser la question alors pour que je laisse... on va vous laisser la parole, c'est vous qui avez la parole, et donc vous pouvez la prendre et donc faire passer les élèves. Ils peuvent se présenter, donner leur prénom, ça y est, on voit tout le monde. Merci beaucoup. Alors vous présentez, donnez au moins votre prénom pour que Monsieur Manoukian puisse vous répondre et puisse identifier qui a posé quelle question. Parle bien. C'est à vous, Colette et Saint Vitry François. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je vais vous poser cette question qui est « Vous racontez pourquoi votre grand-mère a été forcée à quitter son pays dans le chapitre intitulé « Dans les pas d'Araxie » dans le monde ?» Vous décrivez le sort horrible qui était réservé aux femmes. Pourquoi n'avoir pas donné plus de place aux femmes dans les décisions des conflits ? Alors, c'est la place des femmes, c'est ça ? Oui. La place des femmes dans les écrits de Pascal Manoukian, d'accord ? À partir de l'histoire de sa grand-mère notamment. Ensuite, seconde question. Seconde question, s'il vous plaît. Tu vas peut-être te rapprocher. Merci beaucoup, ce serait une bonne idée si l'intervenant pouvait se rapprocher du micro, parce qu'à distance, pour... réceptionner le message, c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Non ? Alors vas-y, présente-toi bien fort. Je m'appelle Selena. Après la lecture de votre livre, on sait que vous avez vécu des moments périlleux et vu des atrocités. Comment avez-vous fait pour gérer toutes vos émotions et retourner à une vie ordinaire en Europe ? Merci, nous avons tout à fait bien compris. Le son était de qualité. Très bien. On continue ? Tout à fait. Vous avez droit à 5 questions. Donc, troisième question. Tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Amélia. Avez-vous encore les billets classiques que vous avez trouvés avec Macri au Cambodge ? Quatrième question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Karina. Dans votre livre Le diable au creux de la main, dans le chapitre intitulé C'est une live, vous décrivez que vous étiez à bord du bateau des médecins du monde en mer de Chine pour un reportage. Vous avez lâché votre caméra pour sauver des vies. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de faire passer votre métier en second plan ? Une cinquième question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Pendant la guerre du Liban, vous racontez page 78 une trêve. Avez-vous été surpris qu'Alexandre et Ahmed puissent partager une cigarette alors qu'ils sont ennemis ? Merci beaucoup. On va laisser la parole à Monsieur Manoukian. Je veux bien la première question. Est-ce que la première question, est-ce qu'on pourrait avoir une répétition de la première question, s'il vous plaît ? Et du coup, c'était « Vous racontez pourquoi votre grand-mère a été forcée à quitter son pays dans le chapitre intitulé « Dans les pas d'Araxie ». Vous décrivez le sort horrible qui était réservé aux femmes. Pourquoi n'avoir pas donné plus de place aux femmes dans les récits des conflits ?» Non, si, c'est bon. Vous nous avez entendu ? J'ai entendu parler, Louis. Il faut avoir une répétition de la question, s'il vous plaît. On a eu une interruption du son, ce n'est pas illogique, ça arrive parfois. Peut-on avoir une répétition de la question ? C'est pas bien. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, vous racontez pourquoi votre grand-mère a été forcée à quitter son pays dans le chapitre intitulé « Dans les pas d'Araxie ». Vous décrivez le sort horrible qui était réservé aux femmes.
Pourquoi n'avoir pas donné plus de place aux femmes dans les récits des conflits? D'accord. Écoutez, alors pour la première question, oui, bien évidemment, l'histoire personnelle de ma grand-mère m'a beaucoup inspiré, donc c'est pour ça que je lui accorde beaucoup d'intérêt. Après, dans les autres conflits, dans le livre, je sais pas, moi j'avais pas eu cette impression. Je parle d'une jeune femme au Guatemala, je parle de Nagri au Cambodge, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit le conflit, les enfants sont souvent les plus meurtris, et parmi les enfants, ce sont toujours les filles qui sont souvent les premières victimes. Donc, dans tous les conflits que j'ai couverts, bien évidemment, que j'ai croisé beaucoup de femmes qui ont été particulièrement touchées dans leur chair par la violence des hommes. Je sais pas, il faudrait peut-être que je relise le diable au creux de la main pour me pencher dessus. Mais non, bien évidemment, par exemple, en Afghanistan, c'est très simple. En Afghanistan, j'ai passé 10 ans en Afghanistan. Je n'ai vu que 50% de la population. J'ai quasiment jamais vu de femme. La seule fois où j'ai vu une femme, c'est parce qu'on m'a pris pour un médecin qu'il y a une femme qui avait pris une balle dans le ventre et qu'on m'a demandé de lui enlever cette balle dans le ventre parce que on ne sait pas que j'étais journaliste et qu'il voyait à l'étranger, il pensait qu'il était médecin. Donc c'est vrai qu'il y a des conflits où c'est très très compliqué. Et plus les conflits se sont déplacés dans des zones où l'islam dominait, c'est vrai que on ne voyait que 50% de la population. Donc c'est peut-être une explication. Comment retourner à la vie ordinaire pour la deuxième question? Je crois que chaque journaliste a ses recettes. Moi personnellement, j'ai surtout essayé de faire des points régulièrement avec moi-même, c'est-à-dire de me regarder en face, quoi, de me regarder dans la glace et de savoir si comment j'avais fait ce métier, est-ce que je l'avais fait en mon âme et conscience, et est-ce que j'avais fait correctement, parce que c'est vrai que très souvent, je prends l'histoire de Séad par exemple. J'ai survécu à la mort de Séad. C'est difficile de survivre à la mort d'un enfant de 16 ans. J'ai eu énormément de mal à en parler pendant une quinzaine d'années. J'ai montré ce film la première fois il y a peut-être 15 ans. J'ai toujours beaucoup de mal à le revoir. Je me suis bien sûr posé la question de savoir si j'étais responsable de sa mort. Moi, dans ce métier, je me suis toujours donné une règle, c'est de ne jamais demander aux gens de faire autre chose que ce qu'ils auraient fait dans leur journée normale. Donc, Séad est allé dans ce quartier qui était très dangereux. Il m'a dit, par quel pont veux-tu qu'on passe? Il y a un pont très court et très dangereux, un pont court moins dangereux et un pont plus long qui est plus dangereux. Enfin, je sais plus, il y avait une histoire de pont. Je lui ai dit, tu prends le pont que tu veux, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je te suis, on nous voit traverser ce pont et on commence à voir qu'il y a des snipers. Je discute avec cette jeune fille, la balle passe entre elle et moi. C'est la balle qu'on entend, elle siffle entre elle et moi. Bon, tout ça a été, mais je ne lui ai jamais demandé de faire autre chose que ce qu'il allait faire. Et quand il va secourir ce blessé, je sais que le sniper blesse quelqu'un pour tuer les gens qui vont le secourir. Donc je sais que lui va risquer sa vie et je sais qu'en suivant, je vais risquer la mienne. Et très sincèrement, je pensais que c'était moi qui allais mourir parce que les snipers cherchaient beaucoup à tuer des journalistes. Et pour moi, Séad ne pouvait pas mourir, c'était un de mes personnages. Alors oui, j'ai pu survivre à ça sans voir de psy. Je me suis arrangé encore une fois avec moi-même. J'ai essayé de faire un point. Après, pour être tout à fait sincère, si j'avais pas été là ce jour-là, il serait pas mort parce que je me suis arrêté changer ma cassette. Je fumais à l'époque. Je me suis arrêté fumer des cigarettes. Et pour qu'il se trouve à cette seconde même, à l'endroit où il a eu blessé pour traverser cette route, sans doute que j'ai ma part de responsabilité. Donc petit à petit, je crois qu'on revient à chaque reportage, on revient avec un peu d'innocence en moins. Et moi, je compare ça à des petites des petites cicatrices qu'on se fait et qu'il faut soigner entre deux reportages. Pas que tout d'un coup ça vous infecte totalement et que ça part. Mais c'est pas facile, il y a pas de recette. Moi, c'est la mienne. J'essaie d'avoir une vie équilibrée en dehors et d'avoir une autre vie que celle du journalisme. Mais on fait ce qu'on peut. Il y en a qui picolent, il y en a qui... Voilà, il y a tout un tas
de différentes façons de gérer ça. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Amélia, est-ce que j'ai revu Nacré au Cambodge? Donc, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, j'arrive au Cambodge à la fin d'un génocide. Moi, je me suis toujours demandé comment ma grand-mère vivait à 20 ans après un génocide. J'ai pas la réponse. Et tout d'un coup, j'arrive dans un pays après un génocide et on me donne comme guide une jeune femme de 20 ans qui a survécu à un génocide. Donc, j'ai en face de moi ce que devait être ma grand-mère à 20 ans. Et cette jeune fille, elle a survécu au pire. Et elle veut se laisser mourir. Elle est anorexique, elle ne croit plus en la vie. Et en plus, elle doit me surveiller pendant que je suis au Cambodge. Et un jour, dans un hôtel, je prends un café avec elle et je lui explique qu'elle a en face d'elle le petit-fils d'une survivante d'un autre génocide et qui a sa propre vie et qui est déjà en train de témoigner sur le génocide qu'elle a subi. Et ça lui donne un espoir que finalement, rien n'est fait, rien n'est fini. Et c'est drôle parce que symboliquement, elle se remet à manger avec moi alors qu'elle est anorexique. Et non, je l'ai pas vue parce que le régime cambodgien à l'époque était très fermé. J'avais un visa assez exceptionnel. Et j'ai pas eu de signe de vie d'elle. Je l'ai cherché pendant un moment, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Karima, sur MDM. Oui, quand j'étais sur le bateau qui repêchait les boat people, bien évidemment, de temps en temps, quand arrivait un bateau, il fallait sortir les enfants et les survivants, ou les morts d'ailleurs, du bateau. Et je m'y mettais aussi, moi. Il m'est arrivé souvent de poser ma caméra pour faire autre chose. Mais si vous voulez, très souvent, les gens que vous croisez, quand ils vous voient poser la caméra pour faire autre chose, ils vous demandent de reprendre la caméra. Parce que les médicaments, la nourriture, c'est formidable, mais ce que ces gens vivent quand ils vivent une guerre, ce qui leur manque, c'est qu'on parle d'eux. Donc on peut croire que finalement, on pourrait mieux utiliser notre présence sur place pour soigner ou pour apporter de la nourriture. Et les trois quarts des gens, quand on les croise dans leur regard, ils sont tellement étonnés, tellement surpris et tellement contents de voir des gens qui, en Syrie, par exemple, ont pris le risque de traverser les frontières, de s'enfermer dans Alep, qui est un enfer, uniquement pour témoigner de leur drame, que très souvent, c'est eux qui vous demandent de reprendre la caméra pour continuer à témoigner de ce qu'ils sont en train de vivre. Et Mathéo, j'ai mal écrit, bien sûr, comme d'habitude. C'était Alexandre et Ahmed. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est comment, je raconte dans le livre que par moment au Liban, alors que tout le monde s'envoyait des bombes et se mitraillait de temps en temps, quand il y avait une trêve, les deux camps trouvaient le numéro de téléphone de l'autre et se racontaient avant la guerre. Oui, c'est ça la guerre, c'est des moments de violence et puis c'est des moments aussi de mariage, de paix, de joie, de discothèque comme on a vu à Sarajevo. Et puis de temps en temps, les ennemis qui sont des gens qui se connaissaient avant la guerre se demandent comment tout ça va finir. Parce que c'est une des choses que j'ai vues sur toutes les guerres. Les gens ne savent plus comment elle a commencé, ne savent plus comment elle va finir. Et donc de temps en temps, les ennemis se reparlent du temps où ils vivaient en paix. Ça m'est arrivé par exemple en Croatie, au début de la guerre. Je suis arrivé sur Marcon, je le connaissais pas, j'étais un militaire, il m'a dit cours très vite sur 150 mètres et tu te jettes dans la tranchée parce qu'en face il y a le front. J'ai couru, je me suis jeté dans la tranchée et je suis tombé sur une tranchée de 14 avec des jeunes de 20 ans, des barbelés avec des petites gamelles accrochées pour entendre y venir et des jeunes de 20 ans avec des photos de filles nues accrochées dans la moule. Et en fin de compte, en discutant avec eux, ils m'ont dit, mais on les connaît tous en face, c'est le même village. Je vais appeler, tu vas voir. Ils appelaient un voisin qui était dans le camp inverse, et entre-temps, il s'est quitté la guerre depuis 6 mois, et tout était irréparable. Mais de temps en temps, ils s'appelaient, ils avaient besoin de ça. C'est-à-dire que avant d'avoir été des ennemis, quand c'est des guerres civiles, les gens ont été amis. Donc, oui, ça arrive assez souvent dans les conflits. Merci Pascal. Donc le Collège des Indes peut couper son micro pour l'instant et on va passer la parole au Collège de Colombelles-les-Deux-Églises. J'imagine que c'est Madame Fernandez qui est aux commandes. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, nous
Et bien, tu te vois pas? Et puis, après, tu vas parler comme ça. Tu peux parler? Oui, nous entendons. On a envie, nous entendons. Bonjour, je me prénomme Yezilo Zamza. Dans votre livre « Ce que tient à ma droite appartient », qui évoque la radicalisation, je voulais savoir quel message vous vouliez vous transmettre. Deuxième intervenant, deuxième question s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Émile, je voulais savoir… Avez-vous gardé des liens avec des personnes avec qui vous avez fait des reportages? Bonjour, je suis Mariam. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Bon, il y a une question, il y en a trois. Monsieur Pion va vous répondre. Oui, excusez-moi, je n'ai pas noté les deux premiers prénoms. Alors, sur la première question, vous parlez là d'un deuxième livre qui est j'ai donc écrit le Diable au creux de la main, qui est un récit sur mes années de journalisme. Et ensuite, j'ai changé de métier. En fait, quand j'ai commencé à 18 ans, je m'étais promis de changer de métier à 60, en me disant que j'aurais peut-être fait le tour du bien. Et je me suis rappelé de la promesse à 58 et j'ai décidé de le faire. Et donc, j'ai cherché quoi faire. J'ai voulu faire le faire, c'est-à-dire au lieu de parler du réel, de faire de la fiction. Voilà. Donc le livre dont vous parlez, Le Diable, pas les échoués, mais ce que tient à ma droite appartient, c'est un roman, donc, et j'essaye d'y décrypter le processus de radicalisation de Daesh. Pourquoi? Parce que j'ai bien connu la radicalisation d'Islam, et j'ai surtout vu l'Islam avant qu'il n'ait la réputation qu'il a aujourd'hui. Et je sais que l'Islam, c'est autre chose que ce qui est caricaturé aujourd'hui, avec bien évidemment beaucoup de raisons de l'être, parce qu'il y a une radicalisation d'une partie des musulmans du monde. Mais moi, j'ai connu un autre islam, j'ai connu un islam en Afghanistan, où on ne m'a jamais demandé d'où je venais, quelle était ma religion, où je pouvais dormir dans une mosquée, un islam ouvert. Et je sais que cet islam existe, et je sais qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps que l'islam radical qu'on connaît aujourd'hui. Et je sais qu'un jour, il lui survivra. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. J'essaie aussi d'expliquer que quand vous êtes un jeune musulman de 20 ans à Alep, vous savez, moi, j'ai été bombardé dans ma vie de journaliste deux fois trois heures. Et quand vous êtes bombardé trois heures, vous pensez que je suis fou. Si vous voulez, en Syrie, par exemple, à Alep, les gens ont été bombardés pendant 6-7 ans sans interruption. Donc effectivement, quand vous êtes un jeune musulman, 20 ans, à Alep, que votre ville est bombardée depuis 5 ans, 6 ans ou 7 ans, et que aucun pays du monde ne vient à votre secours ou n'est incapable d'imposer une trêve de 10 heures, oui, effectivement, vous pouvez devenir sensible à des discours plus radicaux, en sachant, pour faire une comparaison, qu'il se passe à Alep, à l'époque, il y a 4-5 ans, il se passait quasiment, on va dire, un Bataclan par jour. Donc, effectivement, j'essaye d'aller faire un discours de 360 degrés voilà, sur les personnages. Vous m'entendez toujours ou pas? Oui, 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 c'est bon. Alors, sur la deuxième question, est-ce que j'ai... Non, mais la porte. Des liens, oui, il y a des conflits sur lesquels je n'ai gardé aucun lien. Et puis les conflits où j'ai gardé des liens très, très serrés. Par exemple, je suis toujours en contact avec une famille que j'ai prêchée en mer de Chine. Voilà, je suis un peu de la même famille. Ils ont
puisqu'on attend tous s'installer en France. Leurs enfants ont fait des études plus brillantes que mes enfants, alors que le père pensait que leur vie était foutue. Je les vois de temps en temps. Je suis très au contact avec un commandant afghan que j'ai beaucoup connu pendant la guerre, que j'ai connu à 20 ans. Je crois que c'est devenu mon plus ancien ami d'ailleurs. Et puis encore deux trois autres personnes. Mais c'est vrai que parfois il faut s'impliquer plus que dans le reportage. Et puis parfois il faut éviter de s'impliquer aussi parce qu'on peut pas non plus, on va dire, j'utilise l'expression trop ça alourdir le sac à dos parce qu'à un moment donné il faut tout porter et que quand on veut durer dans ce métier il faut malheureusement de temps en temps ne pas s'impliquer et d'autres fois au contraire le faire vraiment. Donc ça m'est arrivé, oui. Et puis Myriam, je t'ai un petit peu répondu. En fin de compte, mon épouse qui est ici à côté de moi a fait des émissions de cinéma pendant 25 ans pour la télévision française. Et on a eu ce grand débat tout le temps. Qu'est-ce qui était plus fort, la fiction ou le réel? Et moi, en tant que journaliste, j'ai longtemps dit que le réel était beaucoup plus fort que la fiction. Et depuis que je me suis mis à écrire des romans, je trouve une force à la fiction extraordinaire. Quand vous faites un reportage, les gens le voient une fois. Quand vous écrivez un article, les gens ne regardent pas. Quand vous écrivez un livre et un roman, moi j'écris des romans qui se nourrissent de ma vie de journaliste. Je vois des gens qui viennent me revoir après en signature et qui sont que j'ai touché 10 fois plus qu'avec mes reportages. Donc en fin de compte, voilà pourquoi je me suis mis au roman, hein, parce que j'avais décidé de changer de métier. Je me suis dit que j'allais faire l'inverse de ce que je faisais. Et puis aujourd'hui, parce que j'ai découvert que c'est vraiment quelque chose de très intime. C'est-à-dire que quand je parle de migrants, de gens que les gens n'osent pas croiser dans la rue, je le fais dans un reportage, je le lis une fois. Quand c'est dans un roman, ils l'amènent dans leur chambre à coucher, ils le posent sur la table de chevet, ils l'amènent avec eux dans le train, au travail, et tout d'un coup, ils me disent « mais c'est incroyable, tu m'avais fait vivre avec des gens qu'au début, j'aurais condamné, et finalement, je les comprends encore plus. » C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette première série de questions. Nous allons interroger maintenant le lycée Bouchardon. Je pense que c'est Dominique qui est aux manettes. Donc, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et puis vous avez 5 questions. C'est à vous, nous vous entendons. Alors, bonjour, je m'appelle Lise et j'aurais aimé savoir avec quelle agence de presse vous avez travaillé et étiez-vous libre de choisir les lieux de vos reportages. Bonjour, je m'appelle Brice. Y a-t-il des actions que vous n'avez pas le droit d'effectuer sur le terrain en tant que journaliste de guerre? Des actions qui sont strictement interdites comme une sorte de charte déontologique. Bonjour, je m'appelle Anicia. J'aimerais savoir comment vous voyez le métier de journaliste de guerre au temps des réseaux sociaux. Au temps des réseaux sociaux aujourd'hui. Je lis ça, mais peut-être bien que toi. Y a-t-il deux autres questions ou est-ce qu'on a déjà une série de 3? C'est bon pour nous. C'est bon. Eh bien, nous écoutons M. Manquian. Moi, j'ai travaillé je n'ai jamais travaillé dans une chaîne de télévision. Hein. J'ai toujours été journaliste soit indépendant. J'ai été 10 ans photographe indépendant. Et puis ensuite, j'ai rejoint une agence, la création d'une agence avec CAPA, qui était une agence de reportage et qui proposait des reportages à la télévision. Tout ce que vous voyez à la télévision, par exemple, Envoyé spécial ou dans d'autres émissions de reportage, ils disent toujours une équipe, un reportage de nos équipes. Très souvent, la moitié de ces reportages sont faits par des agences extérieures qui leur proposent des idées. Donc, moi, mon métier, c'était de réfléchir à des idées que j'allais proposer à des magazines. Alors, les choix de reportage, c'est nous qui les faisions. Hein.
Bien évidemment, on sait bien qu'il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Donc, on a tendance à essayer d'aller vers ces sujets-là. Mais par exemple, je prends le cas du Sud-Soudan, qui est un reportage qui n'a jamais intéressé le monde. Moi, j'y suis allé 4 fois. J'y suis allé 4 fois sur mon temps, on va dire, de libre, sans commande avant, en empruntant une caméra. Par exemple, nous louons les caméras chez des loueurs toute l'année. Bon, ben, on leur disait, voilà, là, on va faire une caméra humanitaire. On va prêter la caméra, on va tourner un sujet au Soudan, que pour l'instant, les chaînes ne veulent pas. Et à nous de faire un sujet qui les intéresse. Et si jamais les chaînes veulent le passer, bon, mais dans ce cas-là, on paiera la location de la caméra. On se paiera de même. Donc voilà, il y a toujours des façons de s'intéresser à un sujet qui, pour le moment, n'intéresse pas. Parfois, un sujet va pas intéresser pendant un an, puis ensuite, tout d'un coup, ça va venir parce qu'il va se passer quelque chose. Je pense que c'est surtout, plus que les choix d'un sujet, c'est l'angle qui est important dans notre métier. C'est comment vous racontez l'histoire. Et la façon dont l'histoire que vous trouvez pour raconter, la petite histoire que vous racontez pour raconter la grande, c'est ça qui fait la différence. Et c'est toute, c'est la seule chose qu'on nous demande, c'est du jus de crabe, quoi. C'est de gamberger et de trouver la bonne idée qui fera que quand vous allez la présenter à un diffuseur, il va vous dire ah, c'est sûr que le Sud-Soudan, c'est pas un sujet qui est très sexy, s'il parle comme ça, mais ton histoire est formidable, ton histoire m'intéresse. Et si on a assez de talent pour la raconter de façon intéressante, voilà, c'est, ça peut marcher. Quoi. Bon, et après, il y a des sujets qui sont plus compliqués à proposer que d'autres. Alors sur les actions interdites, alors il y a deux choses. Il faut savoir que moi j'ai une carte de prêt, j'ai eu une carte de prêt toute ma vie. Je crois que je l'ai jamais sortie. C'est-à-dire que il y a de moins en moins dans les pays aujourd'hui, il faut s'annoncer comme journaliste. Donc s'il y a des actions qui vous sont interdites dans un pays en tant que journaliste, quasiment toutes aujourd'hui plus un pays en guerre, on veut voir de journalistes. Les 3/4 du temps, il faut trouver un prétexte pour la passer. Moi, par exemple, quand j'étais pigiste, j'avais trouvé une astuce, parce que je rentrais dans un pays, bien évidemment, il fallait pas qu'on sache que j'étais journaliste, mais j'étais photographe. Donc, j'avais des matériels, un zoom, des micros, etc. Et j'étais sur mon passeport. À l'époque, on pouvait mettre sa profession sur le passeport. Je m'étais longtemps pris la tête. Personne ne vérifiait la profession qu'on mettait sur le passeport, mais à la douane, ils ne savaient pas. Donc, quand ils voyaient votre profession sur votre passeport, ils pensaient que c'était un bref. Moi, j'avais mis ornithologue. Et donc, dès que j'arrivais à une douane, on fouillait, on me disait, mais vous êtes journaliste, regardez des zooms. Et je dis, non, je suis ornithologue. Et donc, j'apprenais le chant d'un oiseau du pays. Je racontais aux douaniers que je venais m'intéresser à l'oiseau qui, dans son pays, survivait. Je sais, la parade de l'amour en sifflant. Enfin, j'étais très pointu. Et le gars était très content, il me dit, c'est incroyable, il me laissait passer, il pousse ses fesses dans le dos en disant, j'espère que ça va marcher. Et moi, je faisais mon reportage. Donc, on est de moins en moins tolérés dans les pays. Après, est-ce qu'il y a des actions, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'il y a des actions qui me sont interdites en tant que journaliste? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire? Sincèrement, je n'ai pas le droit de trafiquer la vérité, ça c'est une évidence. Enfin, si je veux faire mon métier correctement, à part ça, et je n'ai pas le droit de porter d'armes, dans aucun cas. Mon arme, c'est mon stylo, c'est mon appareil photo, c'est ma caméra, mais en aucun cas, je ne dois être armé. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, en Afghanistan, la première année, on n'a pas traversé la frontière dans une zone qu'on appelle la zone tribale, c'est là où il y a tous les trafics d'armes, les trafics de drogue. J'étais avec un commandant que je connaissais bien, et on a passé une nuit dans un endroit où on a dormi dehors, et là, il m'a donné une arme. Je lui ai dit, non, tu sais, moi, je ne touche pas aux armes. Il m'a dit, là, Pascal, c'est un endroit où tu peux te faire, on peut tous se faire trucider cette nuit et la nuit prochaine, etc. Mais non seulement tu la prends, mais tu la mets sous ta nuque. Et donc, j'ai dormi avec une arme sous ma nuque et j'ai porté une arme dont je n'aurais pas su quoi faire, d'ailleurs, une journée. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Être armé et être malhonnête. Quand on veut bien faire son métier. Et la troisième, les réseaux sociaux. Ah ben bien sûr que, oui, bien sûr que les réseaux sociaux et le journalisme, c'est très compliqué parce qu'il y a, il y a,
Il y a de l'excellent journalisme sur les réseaux sociaux et il y a le pire du journalisme sur les réseaux sociaux. Je crois que ça touche tout, ça touche le journalisme, ça touche sur les réseaux sociaux, il y a le pire et le meilleur. Donc, je crois que les réseaux sociaux, par exemple, ont énormément été utiles pendant la guerre de Syrie, où il était quasiment impossible pour un journaliste de passer la frontière. Mais après, dans les réseaux sociaux, il faut vraiment essayer de un peu comme vous faites la fin des marchés et que vous fouillez les flâneuses, comme on dit, vous fouillez les cartons, il faut savoir ce qui est pourri et ce qui est pas bon. Donc oui, il faut savoir vivre avec, c'est plus votre ration que la mienne. D'ailleurs, je découvre ce que ça peut être que d'avoir un cours par visioconférence, c'est compliqué. Donc oui, les réseaux sociaux, je pense que vous le savez comme moi, il faut faire excessivement attention à ce qu'on y trouve, mais on y trouve aussi des choses formidables. Et il y a eu des témoignages de jeunes Syriens qui ont eu le courage de filmer leur guerre et sans les réseaux sociaux, je pense qu'on n'aurait pas été au courant de beaucoup d'atrocités. Merci Pascal. Donc nous allons passer maintenant au lycée Le Bon. Donc je pense que Florence doit être aux commandes aux côtés de Thierry. C'est à vous, vous avez la possibilité de poser jusqu'à 5 questions. Merci. Bonjour, je m'appelle Clara. Ma question est, quel ressenti avez-vous eu lorsque vous avez côtoyé des horreurs de guerre et comment avez-vous réussi à garder votre sang-froid? Bonjour, je m'appelle Aline et on voudrait savoir si vous pourriez revenir en arrière. Est-ce que vous aurez choisi à nouveau ce métier et pourquoi? Bonjour, je m'appelle Lali et je voudrais savoir quels étaient vos indicateurs et sources pour savoir quoi photographier sur les théâtres d'opération et comment vérifiez-vous vos sources lorsque vous étiez à la tête de l'agence CAPA? Alors, une minute, pardon, allez-y. Vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Pierre et je voudrais savoir si vous avez déjà pris des photographies des deux camps pendant la même guerre et si vous avez déjà été censuré. Bonjour, je m'appelle Nadia. Avant de partir sur les théâtres de conflit, avez-vous été formée pour être reporter et surtout sur les modes de vie du pays et la sécurité? Avez-vous été entraînée? Alors, les questions sont terminées. Merci. Alors, Clara, le ressenti sur l'horreur de guerre, sans froid. Alors, j'ai deux particularités. Moi, je ne suis un journaliste spécialiste de rien. Je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, de l'économie. Moi, je pratique ce qu'on appelle un journaliste de témoignage. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à aller sur des terrains et à essayer d'être les yeux et les oreilles de gens qui n'avaient pas la chance ou qui ne voulaient pas y être. Et ma deuxième particularité, c'est que je suis un journaliste d'image. J'ai fait soit de la photo, soit de la caméra. Et il y a une chose seulement à apprendre quand vous êtes journaliste d'image qui est totalement innaturelle, c'est que quand vous faites un journaliste de presse écrite, vous pouvez être sur un combat et raconter le combat en étant à quelques mètres des combattants. Quand vous faites de la photo ou quand vous faites de l'image, à un moment donné, il faut apprendre à avoir ce geste qui n'est pas naturel, c'est sortir de l'endroit où vous êtes abrité, pour vous exposer entre les combattants sans être vous-même armé. Et c'est quelque chose qui non seulement c'est pas naturel, mais en plus c'est quelque chose que votre corps refuse de faire. Mais d'un autre côté, cette caméra, c'est assez classique de le dire, distance entre vous et le danger. Donc vous protège quelque part parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous êtes concentré sur ce que vous faites. Parce que, et c'est pour ça que vous faites ce métier-là et que vous courez ces risques, parce que vous pensez
et vous croyez que ce que vous faites sert à quelque chose. Et c'est tout ça qui fait que vous acceptez ces risques-là, que votre corps normalement refuse. Hein. Vous entendez un bruit de balle, votre réflexe premier, c'est pas de sortir de mur, c'est de vous mettre derrière le mur. Sauf que voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Après, le sang-froid, vous savez, ça passe par des stades. Il y a tout dans ce métier. Il y a bien évidemment, vous avez peur. Il m'est arrivé de me faire pipi dessus au cours de bombardement. Il m'est arrivé à certains jours de ne pas vouloir sortir. Pourtant, c'était important, mais parce que je me dis que c'était pas le bon jour. Donc, je suis resté ce jour-là, il m'est rien arrivé. Si j'étais sorti, il serait arrivé quelque chose, je ne sais pas. J'ai passé 20 ans à faire ce métier. J'ai perdu des amis la première année. J'ai perdu des amis la dernière année. Moi, j'ai survécu. Pourquoi? Enfin, tout ça, est-ce que c'est parce que mon attitude? Est-ce que c'est parce que j'ai été juste assez prudent ou trop prudent? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Voilà. Oui, on ressent l'horreur. Oui, on ressent la peur. Mais on en parle ici dans un endroit de paix. Mais quand vous en parlez avec la sensation, on va dire, d'avoir une mission, c'est-à-dire de penser que le témoignage, et souvent les gens vous le renvoient d'ailleurs, ils vous disent bien que les gens sont excessivement, contrairement à ce que parfois les gens pensent, ils sont excessivement contents d'avoir quelqu'un, et ils le savent d'ailleurs, ils vous disent mais tu as une famille, tu as des enfants, tu as quitté un appartement, qu'est-ce que tu viens miser avec nous, pourquoi tu fais ça? Tu dis je viens parce qu'il faut bien que quelqu'un parle de cette guerre, et les gens vous renvoient ça, donc tout ça fait que finalement, oui, bien évidemment, on a peur, on essaye de garder parfois son sang-froid avec difficulté, mais ce sont des choses qu'on surmonte. Puis bien sûr aussi, il y a l'accoutumance. Hein, on est habitué à vivre l'actualité en direct. Donc c'est vrai que quand il se passe quelque chose dans le monde, j'ai pas envie de le lire dans les journaux. Quoi. J'ai envie le mur de Berlin tombe. Moi, la veille, j'ai compris que le mur tombait. Le matin, la nuit, j'ai oublié le mur. Hein. Je voulais pas regarder ça au journal télévisé. Et puis je voulais être devant la première fague, tendre la main aux premiers gens qui tournaient, prendre un bout du mur pour moi quand même, enfin, je voulais tout quoi. Et puis bon, ben, j'ai tout eu finalement. Donc voilà, c'est un métier de passion. Aline, revenir en arrière et pourquoi Non, sincèrement, je crois que en plus, si je pouvais revenir en arrière, notamment dans la période pendant laquelle j'ai exercé. Dans une période où l'information internationale intéressait, où les journaux trouvaient de l'argent à mettre, où les chaînes de télévision aussi n'étaient pas si nombreuses et aussi étaient intéressées par le reportage, on pouvait prendre un petit peu plus son temps. Je crois que je le ferais quand même aujourd'hui, mais j'y trouverais quelques désavantages aujourd'hui parce que je crois que c'est un métier qu'il est nécessaire de faire, mais qui se précarise aujourd'hui. Parce que, encore une fois, vous avez vu la multiplication des chaînes. Donc aujourd'hui, on appelle tout reportage, on appelle tout enquête. Je passe mon temps à voir enquête exclusive, ou je ne sais plus, ou enquête. Les caméras qui suivent comme ça la police pendant des heures et des heures et des heures. Enfin voilà, après le métier a changé quand même. J'aimerais bien le refaire comme je l'ai fait. Oui, ça ne poserait aucun problème. Parce que, encore une fois, voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires et j'ai la prétention de penser que quelques-unes des images des miennes ou de celles de mes confrères ont fait un peu avancer les choses. Alors, comme d'habitude, je ne me rends pas. La troisième question. L'indignation et la censure chez Capa, c'est ça, je crois que c'était. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on allait sur ce que j'ai dit, c'est ça, sur Capa. Écoutez, moi, à Capa, sincèrement, c'est ce que je disais. Il n'est jamais arrivé. De me faire refuser un sujet, de me faire censurer un sujet. Alors parfois, on m'a refusé des sujets parce qu'on disait que c'était mal fait. Bon, c'est compliqué pour un journaliste
de savoir si c'est les sujets mal faits. Enfin, je sais pas, c'était à l'époque où c'était pas mes sujets, hein, personnellement, mais que je faisais faire à des journalistes. Parfois, on me refusait parce qu'on me disait c'est trop dangereux. Non, on veut pas prendre le risque que tu envoies une équipe pour nous. En Syrie, par exemple, ou en Tchétchénie. Non, je vous racontais tout à l'heure, mais je ne vais pas vous raconter en détail, parce que c'est compliqué. Mais la seule fois où j'ai vraiment eu une pression en tant qu'incapable, c'était pour. J'avais fait le portrait de quelqu'un qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Donc, on aurait pu croire que c'était quelqu'un de. Voilà, que tout d'un coup, on a fait un portrait non autorisé de ce garçon et on a eu énormément de coups de téléphone de gens de droite, de gauche, pour essayer de nous demander de ne pas publier ce sujet, mais qui a été diffusé sur Canal quand même. En quelle année ? Je crois que c'était ça s'appelait, ça s'appelait dans les années 95, peut-être. On va raconter simplement la vie de ce garçon, si ça ne lui a pas plu. Mais non, sincèrement, je sais que c'est compliqué, hein, souvent, pour les gens de croire, mais en tous les cas, moi, j'ai pas été ni victime de censure, ni quand je dirigeais l'agence, ni quand j'étais journaliste. Alors, je vous dis pas, par exemple, que quand vous vouliez vendre à un canal un sujet sur l'argent du foot, ils vous disaient que ça les intéressait pas, parce qu'ils diffusaient le foot. Mais enfin, il y avait une autre chaîne qui pouvait vous prendre le sujet. Voilà, après, il y a des intérêts de chaîne qui sont aussi, en fait. Est-ce que j'ai souvent été dans les deux camps? C'est drôle, c'est parce que quand j'ai commencé mon tout premier reportage au Guatemala, il y avait une guérilla. À l'époque, j'avais pas de carte de presse, j'étais journaliste, j'étais pas journaliste, mais je traînais au Guatemala et je me suis fait une fausse carte de presse et je suis allé me présenter à la guérilla parce que dans ma tête, je voulais être toujours du côté des opprimés. Puis en fin de compte, la guérilla était marxiste-léniniste à l'époque. Bon, donc communiste, et il se trouve que je suis d'origine arménienne et qu'il y avait une Arménie soviétique. Mais moi, je n'appartenais pas à l'Arménie soviétique, j'ai fait partie de la diaspora, c'est des Arméniens qui n'avaient pas voulu en Arménie soviétique. Donc, je n'avais pas été élevé avec une grande idée de l'Arménie soviétique. Et je ne m'attendais pas, j'ai passé, on va dire, le petit concours d'entrée pour pouvoir partir avec la guérilla. Et ils m'ont posé des questions sur l'Arménie soviétique, et j'ai dit que ce qu'on m'avait dit, c'est que moi, je ne ferais pas ça terrible. Et donc, j'ai été recalé tout de suite. Et moi, qui rêvais d'être toute ma vie de journaliste du côté des opprimés, j'ai dû me rabattre sur l'armée guatémaltèque, vers l'autre camp, et commencer du côté des tortionnaires que des torturés. Mais parce que les torturés ne m'avaient pas admis. Non, j'ai rarement été dans les deux camps. En général, j'ai toujours choisi un camp et plutôt celui des victimes. Et le dernier, il faut que j'écrive mieux. Est-ce qu'on peut me répéter la cinquième question? Est-ce qu'il est possible d'avoir un retour au lycée Lebon? C'est sur les entraînements. Ah oui, c'est bon. Oui, pardon, excusez-moi. Non, moi, je sais que ça se fait aujourd'hui. Les journalistes sont entraînés par les militaires. Moi, il faut comprendre que, comment vous dire, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous, on était, je suis d'une génération où il n'y avait pas de 35 heures, il n'y avait pas de RTT, il n'y avait pas d'assurance pour les journalistes qui partaient sur les conflits, il n'y avait pas de gilet pare-balles, il n'y avait pas de casque et il n'y avait pas de session d'entraînement avec les militaires. C'est-à-dire que on se formait sur place. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'un journaliste parte sur un conflit sans assurance, par exemple. Il faut savoir que les assurances pour les conflits, c'est des coûts, je crois que c'est 1200, 1300 euros au jour. Donc, c'est voilà, tout ça. Moi, je n'ai jamais mis un gilet pare-balles de ma vie. Ça ne se faisait pas. Le gilet pare-balles, ça a commencé avec Sarajevo. Voilà. Donc non, j'ai pas, je me suis formé sur place, je me suis formé avec mes succès et mes erreurs, en essayant d'apprendre de chacun. Et après, il y a des règles simples, hein, par exemple, vous voulez traverser une frontière clandestinement, en général, vous voulez traverser clandestinement. Il y a deux façons de traverser une frontière clandestinement, avec les politiques. Et vous savez que les politiques vont être très prudents parce qu'ils veulent pas qu'un journaliste meure
parmi leurs rangs. Donc, ils risquent de vous faire attendre. Et vous, vous avez envie de rentrer le plus vite. Une autre façon de traverser une frontière, c'est de la traverser avec les trafiquants comme n'importe quelle marchandise. Sauf que vous savez que les trafiquants, ils vont savoir que vous avez sans doute sur vous 5000 dollars pour pouvoir survivre sur place et une caméra qui est en gros 20. Donc, il faut faire des choix régulièrement. Est-ce que j'ai confiance aux trafiquants? Est-ce que j'attends les politiques? Moi, j'ai fait parfois l'un, parfois l'autre. Je m'en suis toujours sorti vivant. C'est pas le cas d'un certain nombre de mes confrères, notamment une équipe qui est passée juste après moi au Kurdistan. Et moi, j'ai refusé de passer avec les trafiquants et eux sont passés quelques temps après, l'équipe de la BBC, et s'est fait posséder les trois. On a retrouvé leur passeport enterré, leur caméra. Donc voilà, après, voilà, il faut apprendre sur le tas, on va dire. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des entraînements pour les journalistes, hein, tenus par les militaires, c'est très bien. Si ça peut leur permettre de gérer le stress. Aujourd'hui, il y a aussi des gens, il y a le stress post-traumatique. Aujourd'hui, les journalistes qui couvrent les conflits, très souvent, quand ils rentrent, on leur propose de voir des psychologues ou d'être suivis. Ma génération, c'était pas ça. On se réconfortait entre nous. Merci Pascal. Merci, oui, c'est bon. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y avait une dernière réponse. Ah oui, la vérification des sources, pardon, j'ai oublié. Comment vérifier les sources à CAPA, c'est vrai? Ben, comme on peut les vérifier, c'est-à-dire, alors, bon, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, parce que, voilà, c'est intéressant, je vais répondre à la question, mais avec un pas de côté. À l'époque où je tournais moi, notre métier, c'était d'aller faire la preuve par l'image. C'est-à-dire que parce que je connaissais bien la Syrie, parce que j'avais un contact à Alep, parce qu'il m'avertissait qu'il y avait peut-être des bombardements chimiques, parce qu'il disait « si tu arrives à cette frontière, je te fais passer », je disais à mon rédacteur en chef « j'ai un bon contact, il peut me faire passer, il est sérieux, il me dit qu'il y a des armes chimiques, je le connais, donne-moi 3 semaines, je vais essayer de ramener les preuves ». Voilà comment ça se passait. Et j'y allais, j'y ramenais ou je ramenais pas les preuves. Aujourd'hui, le métier des journalistes d'aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus jamais d'aller faire la preuve par l'image. Aujourd'hui, la preuve par l'image, après n'importe quel événement, 10 secondes après ou 30 secondes après, elle est sur tous les écrans de vos téléphones. Et vous avez même pas le temps de partir. On vous dit pas, c'est pas vous qui dites à votre rédacteur en chef, j'ai un bon contact et je pense qu'il y a des bombardements chimiques. C'est le matin. Tout le monde dit, t'as vu cette photo-là du type qui a de la barbe blanche sur les lèvres, t'as vu les bombardements chimiques? C'est quoi cette histoire? Il faut aller vérifier aujourd'hui la preuve par l'image. Et ça se fait dans la précipitation et c'est beaucoup plus compliqué pour un journaliste d'aller vérifier les milliers de choses qui arrivent des réseaux d'ailleurs. Parce que est-ce que c'est un bombardement chimique? De qui? Est-ce que c'est le régime de Bachar? Est-ce que c'est, voilà, c'est très compliqué. Donc, la vérification des sources, nous, on le prenait dès le début, si vous voulez. On faisait un peu comme aujourd'hui, on connaissait toute la filière. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que qui a fait les images? Des militants, des gens qui font de l'intox, des vrais reporters citoyens. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus maintenant au sein des chaînes des cellules qui vérifient les sources des images. En les comparant d'ailleurs à d'autres. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que telle photo de catastrophe est un truc qui a été déjà publié avant. Donc c'est sans doute beaucoup plus difficile aujourd'hui. Merci Pascal. La parole est maintenant au lycée François Romier, Vitry-le-François. Vous pouvez allumer votre caméra et votre micro et vous avez la possibilité de poser 5 questions. C'est à vous. Bonjour, je m'appelle Kenza. Dans votre livre « Au royaume des insoumis », votre témoignage retrace la résistance des Afghans face à l'invasion de l'armée rouge de 1979 à 1989, qui s'est soldée par le retrait des troupes russes et de la montée en puissance de l'islamisme radical. Étiez-vous conscient d'assister à un événement majeur pour le futur de l'Afghanistan? Bonjour, je m'appelle Noé. Donc, selon vous, quelles sont les compétences les plus importantes pour être journaliste aujourd'hui? Thank you.
Bonjour, je m'appelle Nathan. Je voulais savoir s'il y a aujourd'hui des problèmes d'indépendance dans le milieu du journalisme et notamment dans l'agence CAPA qui est dirigée par TF1 puisqu'ils ont racheté l'entreprise mère. Bonjour, moi c'est Thomas et je voulais savoir dans quelle mesure la vie de journaliste ne prend pas le pas sur la vie privée. Bonjour, je m'appelle Shaima. Je voulais savoir si à l'issue de toutes ces expériences, vous avez développé une vision différente du Moyen-Orient par rapport à celle de l'Occident. Merci. Alors, la première question des âges, je crois. Oui, c'est une excellente question parce que je c'est très intéressant ce que vous posez comme question parce que quand je suis arrivé en Afghanistan, ça vous éclaire sur le travail de journalisme. Je suis arrivé sur un conflit local. Bon. Donc j'ai vu une petite rébellion contre un pouvoir communiste, des gens qui étaient pieds nus, qui avaient des vieux fusils. Voilà. Et puis tout d'un coup, ce conflit est devenu le grand conflit du XXe siècle, quand les Russes ont envahi. Et je me suis dit finalement, voilà, j'ai couvert deux événements différents. J'ai été témoin de l'évolution d'un conflit. Et aujourd'hui, bien après que je sois parti d'Afghanistan, puisque je vous parle de l'invasion soviétique, on peut dire que ce conflit, que j'ai couvert comme conflit local et ensuite comme conflit du XXe siècle, c'est encore plus que ça. Et à l'éclairage d'aujourd'hui, ce conflit est le conflit qui nous conduit au monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces Afghans pieds nus qui finalement ont fini par chasser les Soviétiques d'Afghanistan et qui ont vraiment été des acteurs principaux de la fin de l'Union soviétique. Donc ce conflit, c'est la fin de l'Union soviétique. C'est à la fois aussi le début de l'hégémonie américaine pendant une dizaine d'années sur le monde, parce que tout d'un coup, l'Amérique n'avait plus d'ennemis en face, le monde n'était plus coupé en deux, et c'est le début de l'islam radical. Donc, en fin de compte, il y avait dans la guerre d'Afghanistan, dans l'invasion soviétique, tout ce qui explique le monde d'aujourd'hui. Alors, il n'est pas expliqué que par ça, mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand je le couvrais, il y avait sans doute déjà ça, mais moi, je suis ignorant en tant que journaliste. Et c'est aujourd'hui, parce que c'est un conflit que j'ai suivi, que je m'en rends compte. Donc, il y a toujours, dans des conflits que vous suivez, des choses que vous découvrirez plus tard. Mais bien évidemment, c'est un conflit qui est majeur pour expliquer le monde d'aujourd'hui. La deuxième question, qu'est-ce qu'il faut comme compétence, ou je dirais plutôt comme qualité, parce que c'est toujours difficile, je pense qu'il y a de quoi. Moi, je dis, la curiosité, bien sûr, il faut être curieux de tout. Comment vous dire, moi, je mon épouse est là, elle le sait. Je suis avec elle et les enfants dans un restaurant. Je tiens la discussion et en sortant, je peux vous raconter ce qu'on dit les quatre tables autour, quoi. Parce que j'ai écouté, parce que j'ai entendu, parce que je sais quel bon personnage, quelle bonne histoire s'est dit, et j'ai entendu aussi ce qu'ils disaient à ma table. Donc, c'est curieux de tout. Tous les gens que vous croisez peuvent être des gens qui ont un destin qui peut vous intéresser. Disponible, bien sûr, parce que c'est un métier où sincèrement, moi, j'ai dû partir pratiquement entre 8 et 10 mois sur 12 pendant un certain nombre d'années. Et puis moi, j'ai l'habitude de dire, il faut être à la fois sensible et à la fois voyou. Non, voyou, j'entends culotté. C'est-à-dire qu'il faut constamment trouver, puisque ce métier, les journées sont de moins acceptées dans le monde, il faut trouver, imaginer des solutions pour pouvoir finir là où vous voulez aller. Et je vous vois que c'est parfois très compliqué. Voilà, et puis une chose que j'ai pas fait moi et que je vous conseille de faire, bien sûr, c'est des études. Parce que moi, j'ai essayé de faire la voie directe, la voie rapide. Elle a été royale pour moi parce que j'ai passé par l'Afghanistan.
mais toute ma vie de journaliste, ces années que vous avez vraiment la chance de vivre, parce que vous n'êtes ni à Alep, ni à Sarajevo, ni ailleurs. Et ces années d'études universitaires qu'on vous permet de faire, vous avez 4 ans pendant lesquels, ou 4-5 ans, ou 3 ou 4-5 ans, dans lesquels vous pouvez vous remplir de choses, quoi, qui vont de toute façon vous servir plus tard. Moi, je l'ai pas fait et ça m'a manqué toute ma vie, mais ça me manque encore aujourd'hui. Se cultiver avant d'être obligé de rentrer dans une vie professionnelle aussi riche soit-elle. Vous avez ces années de béni, je dirais, même si elles peuvent paraître un peu compliquées aujourd'hui. Je crois qu'il faut en profiter au maximum, quel que soit ce que vous étudiez d'ailleurs. Parce qu'on vient du journalisme de partout. Hein. Avant, il n'y avait pas d'école, on venait de l'histoire, on avait fait histoire, il y a des gens qui avaient fait d'ailleurs des métiers manuels, il y a des gens qui avaient fait des études scientifiques. C'est ce que je vous conseillerais avant tout. En tout cas, par rapport à mon parcours à moi, qui a marché, mais quand même, je trouve que il me manque des choses. Et ces choses, c'est celles qui vous sont offertes là dans les 3-4 ans qui viennent, quoi. Enfin, pour ceux qui sont terminales. Kappa TF1, alors, comment vous expliquer? Le patron de Kappa était un patron de trotskiste, donc ces anciens de 68 qui étaient patrons et qui avaient à la fois mal à être patron, hein, parce que c'était pas dans leur ADN. Voilà. Et au moment où il a fallu vendre son agence, on aurait pu penser qu'il aurait pu la vendre à ses salariés, quitte à la vendre moins cher. Mais il l'a vendue à quelqu'un, comme ça se fait beaucoup, qui n'était pas du métier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de moins en moins de journalistes dirigent les chaînes de télévision ou les agences. C'est un monsieur qui faisait les affaires, qui nous a juré que c'était le journalisme qui l'intéressait, qui n'est pas intervenu pendant les 5 années où il avait l'argent dans Kappa. Bon, moi, j'ai dirigé Kappa pendant ces années-là et j'ai compris ensuite que je ne pouvais pas rester, donc je suis parti. Et un an après mon départ, effectivement, l'agence a été vendue à TF1. Alors, c'est pas que TF1 dérange, hein, mais c'est que c'était à peu près la seule chaîne pour laquelle Kappa ne travaillait pas, quoi. Marier Kappa à TF1, c'était contre nature, quoi. Alors, Kappa reste une agence, hein, elle continue à travailler pour TF1, mais je ne sais pas s'il va être publié, c'est le thème du dernier roman que j'ai écrit. Voilà. Ça s'appelle D'une guerre à l'autre. J'ai mis 400 pages à répondre à cette question, c'est-à-dire, c'est vrai que de moins en moins de gens de médias dirigent les médias. Et ça devient un vrai problème, quoi. Parce que c'est pas un métier qu'ils connaissent. Et qu'à un moment donné, quand c'est pas un métier qu'ils connaissent, ils peuvent prendre des décisions qui sont pas viables pour des journalistes. Vous savez ce qu'est devenu Canal, vous savez, enfin voilà, il y a des exemples, malheureusement, se multiplient. Mais c'est vrai que Kappa appartient à TF1 et que c'est quand même assez incroyable quand on connaît l'histoire de l'agence. Thomas. Journaliste. Il y avait une histoire aussi avec la vie, concilier la vie quotidienne. Ah oui, le journaliste et la vie privée. Voilà. C'est compliqué, Thomas. Très compliqué. Je crois que c'est ma fille. Hein. Ma fille, quand elle était petite, elle a dit maman, et après elle a dit Kappa. Non, c'est papa. Après aujourd'hui, je crois pas que mes enfants en aient souffert particulièrement, mais c'est vrai que chaque fois qu'on parle de l'anniversaire de quelqu'un, du mariage, et qu'on me demande si j'y étais pas. Hein. Ça c'est classique. Donc voilà, oui, non, c'est des métiers où c'est vrai que c'est compliqué. On est là sans être là, quoi.
Quand on l'a fait à l'époque, on l'a fait dans l'agence et sur des reportages étrangers. Il y a mille façons d'être journaliste. Je pense. Mais aussi, journaliste très intéressant, on pouvait quand même un peu mieux conseiller. Mais c'est vrai que moi, j'ai des copains qui ont organisé leurs années de leur anniversaire sur une béniche à 150 personnes. C'était les seuls qui n'étaient pas là parce que la veille, on les envoyait ailleurs, quoi. Mais ça choquait aucun des gens qui étaient sur la péniche puisque tout le monde avait le même métier. Donc, on savait que c'était possible. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus facile à concilier. Mais il faut pas que ça décourage les vocations. Et ma vision du Moyen-Orient et d'Occident, bien sûr, ça change parce que finalement, quand vous remontez le temps, quand vous allez à Palmyre, quand vous allez à Beyrouth, quand vous allez à Acre, quand vous allez, vous apercevez que le centre du monde a été ailleurs à des moments. Le rayonnement du monde, le monde a rayonné en Syrie, le monde a rayonné au Liban, le monde a rayonné dans d'autres endroits, quoi. Et ça, c'est une vision qu'on n'a pas. On croit que le monde a toujours rayonné d'ici. Et quand vous êtes arabe ou que vous êtes dans un pays qui a été au centre du monde, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes juste arabe par rapport au reste du monde. Donc oui, bien sûr, c'est ça qui est très intéressant. C'est que moi, j'ai adoré couvrir le Moyen-Orient. J'ai eu la chance d'arrêter. Quand j'ai arrêté, moi, ça a été tous les conflits d'Europe de l'Est qui m'ont moins passionné. Mais j'ai adoré tous les conflits en Amérique du Sud, tous les conflits du Moyen-Orient. C'est une richesse incroyable. Et c'est ce que je disais au début. Je sais que l'islam est autre chose que sa caricature d'aujourd'hui. Donc je sais que ce sont des civilisations tellement fortes qu'elles traverseront ça. Mais c'est vrai que, sincèrement, il se trouve que j'étais avec mon épouse en Syrie 6 mois avant la guerre. C'était déjà le début des printemps arabes et aucun Syrien n'imaginait ce qu'allait devenir son pays. Quand vous voyez des villes comme Damas, des villes comme Alep, la richesse, ce que ça a pu représenter dans le monde, les carrefours de civilisation, ce que c'est devenu aujourd'hui et surtout la façon lamentable dont le monde entier les abandonne, ça génère des frustrations pour des années. On essaye de faire croire que les Syriens qu'on a croisés, qui sont des gens cultivés, intelligents, qui sont partout dans le monde, les Syriens n'auraient le choix qu'entre Daesh ou Bachar el-Assad. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens, finalement. Alors qu'il y a tellement de gens cultivés, intelligents, capables, qui sont aujourd'hui ailleurs, réfugiés. Il y a d'autres solutions, mais c'est malheureusement l'équilibre du monde tel qu'il est aujourd'hui qui fait que on peut comprendre la frustration de toutes ces régions, quoi, qui ont été autre chose. Mais Palmyre, c'est d'ailleurs toujours incroyable. On est petit devant Palmyre, qu'on habite Paris, qu'on habite New York, on est béat, quoi, quand même. C'était des endroits dès le centre du monde. Mais bon. Mm-hmm. Bon, écoutez, nous vous remercions. Nous remercions toutes les équipes enseignantes qui ont mobilisé leurs élèves pour rendre ce débat intéressant et cet échange constructif. Je vois tout à fait le temps de travail qu'il faut y consacrer et la patience. Mais merci également à tous les collégiens et tous les lycéens qui se sont investis dans l'entreprise. Merci à eux. Et puis, au prochain Forum Histoire et Médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.